Good morning, allez, Iden, les tutors aujourd'hui, le Nishmat, Mourir, Bishmol, Ben Shalom, Azalman, Nissim, Ben Aouda, Sarah, Ben Rachel, Shlomo, Ben Esther, Shlomo, Nissim, Ben Sarah, ainsi que le Fat Abba Mori, Ben Reout, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet, Menachot, Beregbet, Mishnah, Aleph. Akomet, Satamincha, Lechol, Sheyarea, O, Lehaktir, Kumtsa, Lemachav. Modera, Biosi, Bazé, Sheupigul, Vechayavin, Alav, Karet. Lehaktir, Levonata, Lemachav. Rabbi Yossi Omer, Pasoul, Ve'en Bokaret, Vachachamim Omerim, Pigoul, Vechayavin Alav Karet, Amroulo, Maishno Zo, Mina Zevach, Amar Lahem, Sha Zevach, Damo, Bsaro, Ve'emurav, Echad, Ulevona, Eno, Ena, Mina Mincha. Bon, on va parler maintenant dans les prochaines Mishnayot, jusqu'à, je pense, la moitié du prochain Perek, je crois même, de l'interdit de Pigoul. Pigoul, tout d'abord, le principe général, c'est le fait de faire un korban ou une oblation avec intention de le consommer au-delà des limites de temps permises. Il y a un interdit de karet particulier sur ça. Par exemple, le katip, un shlamim, un korban shlamim par exemple, la Torah m'a limité à 2 jours avec la nuit d'entre les deux pour le consommer. Fin de la deuxième journée, interdit de manger. Si toutefois j'égorge le corban, ou je vais asperger le sang avec intention de manger la viande au surlendemain, c'est-à-dire 3 jours après. Donc là, j'ai une intention qui invalide le corban, qui le rend pigoule, répugné, et que maintenant, le corban, il y a un interdit de karet de manger la viande dès maintenant. D'accord ? C'est une intention qui est grave, qui invalide énormément le corban. Ça, c'est de manière très générale. Maintenant, pour entrer plus dans la précision, il faut distinguer entre les avodot qui sont matirim et les choses qui sont nitarim. C'est-à-dire, dans chaque korban ou chaque oblation, il va toujours y avoir un échantillon. On va prélever quelque chose que l'on va le mettre sur le misbéach. Lui, c'est le matir, ça va être l'échantillon qu'on va offrir au roi des rois, à Hachem. Et puis ensuite, grâce à cette action d'avoir fait ce matir, cette échantillon qui va permettre le reste va devenir consommable par les kohanim, consumable par le misbéach, qu'à partir de maintenant, par exemple, une fois qu'on aura aspergé le sang, on va pouvoir prendre les graisses et les faire monter pour les faire brûler sur le misbéach, et ainsi de suite. C'est important de distinguer l'échantillon qui va en fait représenter, qui va donner le feu vert pour maintenant consommer tout le reste. Le matir, c'est lui, c'est l'échantillon qui permet le reste, à la différence des autres choses qui sont ce qu'on appelle les nitarim. D'accord ? Ça, on commence à entrer maintenant un peu plus dans la profondeur. Maintenant, la Mishnah, elle va nous parler de quelque chose de particulier, qui est assez fréquent en fait dans les korbanot, c'est lorsque l'échantillon que l'on doit faire, il va être composé de 2 éléments qu'il faut apporter avec un ordre. Par exemple, en l'occurrence, la mincha. La mincha, alors on a déjà dit que lorsqu'on apporte, par exemple, la semoule mélangée à l'huile, il y a dedans la levona, l'encens qui est posé sur le côté. Il faut aussi lui rajouter le sel, par exemple. Alors, le Kohen, pour pouvoir faire cette mincha, il va pousser la levona, il va prélever l'échantillon, les 3 doigts, la kmitza, la pincée de la semoule, il va la mettre dans un ustensile, et puis après, il va récolter la levona, il va aussi la mettre dans l'ustensile. Il faut nécessairement, pour pouvoir permettre la mincha, il va falloir que les 2 éléments qui sont la pincée de la semoule ainsi que la levona, cet encens-là, que tous les deux se fassent brûler sur le misbéach. Donc, en théorie tout d'abord, le pigoul idéal, c'est d'avoir deux fois l'intention mauvaise. Au moment où il va prendre la levona, il va prendre la pincée, il va dire « cette mincha, je la consomme en 2 jours ». Après, il récolte la levona, il dit « cette levona aussi ». La levona, quand il va la brûler, il va dire pour pouvoir manger la mincha en 2 jours. Donc là, il a pensé 2 fois à chaque élément du matir, de l'échantillon, chaque élément qui compose l'échantillon, il a eu l'intention de consommer la mincha au-delà des limites de temps. Ça, c'est le tip-top. Qu'est-ce qui se passe si maintenant... Alors là, ça va devenir un peu compliqué, en fait. Il va y avoir 2 sujets... À savoir, est-ce que tout d'abord, Mefaglin Bechatsi Matir, ceux qui se souviennent de Zvachim, c'est une suga assez complexe que personnellement, même moi, je ne la domine pas assez dans la Gemara. Il faut s'asseoir et étudier à fond, bien s'investir pour
pour pouvoir percer dans le coaching, il faut vraiment, vraiment s'asseoir et assez suffisamment d'heures par jour. Un jour viendra, Bezrat Hashem, ou moi-même je le ferai, et vous aussi. Pour le moment, en tout cas, il y a une grande sugya qui s'appelle Mefaglin Bechatsi Matir, à savoir que lorsqu'il y a deux éléments, et que lorsque je vais faire un seul élément, donc deux éléments qui composent l'échantillon, je vais avoir la mauvaise intention sur la, juste sur un de ces deux éléments. Notre Mishnah dit que ça suffit pour rendre pigoul le reste de la mitra. D'accord ? Ça va entrer en contradiction avec les prochaines Mishnayot. Il y a un très bon Tosot Yom Tov qui fait un petit peu d'ordre dans l'idée. Pour le moment, je prends la donnée telle quelle, que ça ne nous engage pas beaucoup. Souvenez-vous que malgré tout, si on va entrer dans plus de précision, ce n'est pas exact. D'accord ? Il y a des petites nuances. À quel moment on l'a fait ? Concrètement, donc, je reprends. Il y a un échantillon composé de deux éléments. La Mishnah ici me dit, tout d'abord, sache que si tu vas prendre un seul des deux éléments avec intention de consommer la mincha au-delà des limites de temps, tu as déjà rendu ta mincha pigoule. D'accord ? C'est pas la peine d'avoir deux fois l'intention pour les deux éléments. Ça, c'est l'élément de base où Rabbi aussi va reconnaître à Khamim que c'est sûr que dans ce cas-là, ce sera assourd. D'accord ? La Mishnah, maintenant, elle va partir un peu plus loin. Elle va me dire maintenant, qu'est-ce qui se passe si, lorsqu'il va prélever le premier élément qui compose l'échantillon, il va le prélever avec intention de continuer le deuxième élément au-delà des limites de temps. Vous m'avez suivi ? C'est-à-dire, je reprends, il y a la chose, la mincha, la semoule que l'on veut permettre. Il y a l'échantillon composé de deux éléments. Le pigoul consiste à faire l'échantillon avec intention de consommer la semoule au-delà des limites de temps. Ce qui se passe ici, c'est qu'il va faire. Il va prendre les deux éléments qui composent l'échantillon. Le premier, il va le faire la avoda avec lui, avec intention de faire l'autre élément de l'échantillon, pas la mincha, mais le deuxième élément qui compose l'échantillon, de le faire de l'un des limites de temps. Est-ce qu'en cela, il va y avoir un pigoul, et c'est en cela qu'il y a une discussion. En l'occurrence, on parle ici de la mincha, qu'il y a deux choses pour la permettre, pour pouvoir rendre la mincha consommable par les kohanim, il va falloir offrir la pincée au misbéach, ainsi que la levona. D'accord ? Faire un pigoule parfait, c'est lorsque je vais par exemple prendre l'échantillon de solette, de semoule, avec l'intention de consommer la mitra le lendemain. Ou encore, je vais faire la levona, je vais brûler la levona sur le misbéach, avec l'intention de consommer la semoule le lendemain. Ça, c'est un parfait pigoule. Le même Rabbi aussi, il est d'accord qu'il y aura un karet. Maintenant, la discussion qui va y avoir entre les deux, ça va être, si toutefois je vais prendre la pincée de semoule, je vais la faire brûler sur le misbéach avec intention de faire brûler la levona le lendemain. Est-ce qu'il y aura en cela un interdit de pigoule ? Et il y aura une discussion, effectivement. Il y a un cas similaire avec les animaux, cette fois-ci tout le monde sera d'accord. Ce sera le cas, par contre, où, lorsque je vais faire un korban, alors il y a plusieurs éléments qui vont revenir au misbéach. Tout d'abord, on va asperger le sang. Mais ensuite, il va y avoir les emourim. Les emourim, c'est les parts qui vont... les graisses que l'on va faire monter sur le misbéach. Là, dans tous les cas, d'après tous les avis, si je vais asperger le sang avec intention de faire brûler les graisses le lendemain, je transgresse l'interdit de pigoul, d'après tous les avis. Et là, Rabbi aussi, il va devoir justifier pourquoi l'histoire de la mincha avec la pincée et l'encens, c'est différent du cas du sang du korban avec les graisses, d'accord ? Je vous ai déjà annoncé toute la Mishnah, on fait tout ça dans les mots, Bezrat Hashem, ça va aller assez vite maintenant. A commettre cette amincha, celui qui va prélever l'échantillon de l'amincha, de l'oblation, l'echol sheyarea, avec intention de manger les restes de l'amincha. Ou encore même, olehaktir kumtsa lemachar. Il va prélever l'échantillon, mais avec intention de faire brûler le kometz le lendemain. Une fois qu'il a prélevé l'échantillon de l'amincha, il s'est dit, mais lui, je vais le faire monter sur le misbéach que demain. Moder Rabbi Yossi, Sheu Pigoul, Vechayavin à la Karet. Rabbi Yossi reconnaît, il est d'avis, que dans ça, il n'y a aucune discussion, qu'il y aura un interdit de Pigoul sur la Mincha, et on sera passible du Karet si on va manger donc, ce Pigoul. D'accord ? Il n'y a pas de discussion sur ça. Ça implique, le partenaire vient nous expliquer qu'en réalité, que cette fois-ci, il y aura Pigoul Bechatsi Matir. D'accord ? Je ne veux pas trop revenir en arrière pour ne pas trop perdre le fil de ce qu'on est en train de dire, c'est déjà assez délicat. Maintenant, on continue la Mishnah. Les haktir les vonata les machar. Par contre, s'il va prélever l'échantillon, mais avec intention, pas de brûler l'échantillon le lendemain,
avec intention qu'ensuite, il va brûler la levona le lendemain, l'autre matière. Que la levona, ce n'est pas une chose qui se fait permettre grâce à l'échantillon, c'est une chose qui vient elle aussi faire partie de l'échantillon. C'est le deuxième composant de l'échantillon. Les haktir levonata le machar. Donc il prélève, ça se rapporte à la première phrase, il les comets la mincha avec intention, et les comets, donc il prélève l'échantillon de l'oblation, avec intention de les haktir levonata le machar, de faire brûler la levona le lendemain, au lieu de la faire tout de suite. Rabbi Yossi Omer, Pasoul, Ve'en Bokaret. Rabbi Yossi va nous dire, le korban a été, la mincha a été invalidée, elle ne pourra plus être consommée, une mauvaise intention, mais il n'y aura pas d'interdit de karet sur ça. Vachachamim omrim, tandis que Chachamim nous disent, non, pigoul, vechayavin, alav karet. Il y a un interdit de pigoul, parce qu'au moment où tu as pris le kometz, alors tu as eu une intention qu'une des choses qui va être consommée ou consumée par le misbéar, qu'elle va être au-delà des limites de temps. Donc en l'occurrence, la levona le lendemain, c'est assourd. Et puis bien sûr, pour pouvoir faire brûler la levona, il faut d'abord récolter le kometz. Et brûler le kometz, de ce fait, c'est-à-dire ça doit venir, ça vient de pair. De ce fait, sans kometz, tu ne peux pas apporter de levona. Donc le kometz, c'est le matière de la levona, c'est la vitre Chachamim. Et justement, c'est pour ça que Chachamim viennent et disent à Rabbi Yossi, Ama Amuru Loi, ils vont dire, Chachamim à Rabbi Yossi, Ma Shana Zo Mina Zevar. Quelle différence y a-t-il entre ce cas de figure où il y a deux choses, certes, tu commences par ramasser l'échantillon, mais après tu fais brûler aussi les graisses, ou tu vas faire brûler la levona. C'est exactement la même chose entre égorger l'animal, asperger le sang, et puis ensuite faire brûler les graisses. Alors le même principe aussi, tu prélèves l'échantillon, et puis après tu fais brûler la levona. Pourquoi là tu me dis, dans le korban, tu me dis que ça rend pigoul, et là ça rend plus pigoul. D'accord, ma shana zo mina zevar. Il répond à Marlaem, il répond à Biosi, non, il n'y a aucun rapport. Shazevar damo ubsaro ve murav echad. C'est très simple. Rabbi Yossi leur dit, c'est normal. Le zevar, tout ça, c'est une entité unie. De ce fait, si tu vas commencer à asperger le sang, tu vas pouvoir faire un pigoul en pensant à la chair ou en pensant au emurim. Tandis que ou levona, ena mina mincha. La levona ne fait pas partie intrinsèque de la mincha. C'est un second élément. Pour apporter plus de précision maintenant, pour mieux comprendre la réponse d'Abbé aussi, il y a un nom d'Artenois qui nous explique en nous rapportant quelque chose de particulier qui se passe dans certains korbanot. On a apporté un cas de figure, là, on évoque un cas de figure où il y a deux éléments qui vont pouvoir permettre un korban à la consommation ou une mincha à la consommation. D'accord, deux éléments. Mais il va falloir distinguer un autre cas de figure. Là, pour le moment, on a pris deux éléments, mais deux éléments qu'il faut malgré tout relier et en faire un bouquet, les rassembler ensemble pour le faire monter sur le misbéar. C'est-à-dire, lorsque j'apporte une oblation, je dois ramasser le kometz, le mettre dans l'ustensile, mais dans le même ustensile, je dois ramasser la levona et la mettre en même temps, a priori, c'est comme ça que la Torah impose de le faire, de le mettre en même temps et d'aller le brûler sur le misbéar. Sur ça, Chachamim et Yohanan te disent, écoute, tout ça, c'est une seule entité. Et Rabbi aussi te dit, non, c'est deux entités. Le Barthénois allonge pour nous dire qu'il y a un cas où il y a deux entités bien distinctes, et dans ce cas-là, d'après tous les avis, l'intention de l'un n'influence pas. L'intention, lorsqu'il fait l'un avec intention sur l'autre, ça n'influence pas sur le résultat. Je m'explique. On va prendre un cas concret, on en aura besoin pour le prochain Mishnah, donc c'est déjà une belle introduction, ce qu'on appelle les Kivse Atzeret. À Shavuot, il fallait apporter un korban particulier, une mincha particulière, avec deux gros pains, chametz, très rare d'apporter du chametz au misbéar, et bien là, il fallait à Shavuot apporter deux pains chametz. Pour pouvoir, il y avait tout un rituel à faire, il fallait le balancer. Le Kohen devait le balancer et tout ça, c'est tout un rituel très sympathique. On en parlera, je crois, dans Menachot d'Avka. Et maintenant, pour pouvoir faire ce korban, il faut aussi apporter deux shelamim. Deux shelamim, c'est deux korbanotes distincts, qu'il faut d'abord les faire, et une fois que tu les as fait, tu vas pouvoir ensuite manger le pain. Alors là, on a deux éléments complètement distincts. Sur ça, si j'égorge le premier shlamim avec intention de manger le pain le lendemain de Shavuot, c'est invalidé, c'est devenu pigoul. Si je fais le deuxième shlamim aussi, c'est invalidé. Mais si j'égorge un shlamim avec intention de faire le deuxième shlamim le lendemain, sur ça, d'après tous les avis, puisque ces deux éléments complètement distincts qui composent l'échantillon qui permet le pain, alors, d'après tous les avis, la pensée de l'un n'influence pas sur l'autre.
pour interdire le résultat, c'est ma phrase de tout à l'heure. C'est-à-dire, ouais, j'ai l'élément A qui doit être fait, et puis aussi l'élément B qui doit être fait. S'ils sont tous les deux bien faits, je vais pouvoir consommer l'élément C. L'intention de A de consommer C au-delà des limites de temps, c'est invalide. B, avec intention de consommer C au-delà des limites de temps, c'est invalide aussi, ça rend pigoule. Mais si je fais le A avec intention de faire le B au-delà des limites de temps, que les deux ensemble, c'est les deux éléments qui vont permettre le C, ouais, l'élément C, alors dans ce cas-là, ces deux éléments distincts qui n'ont plus de rapport entre eux, la pensée de l'un n'influence pas sur l'autre. De ce fait, tu as fait un, c'est pas grave, t'as fait le premier kif satseret, t'as fait le premier shlamim avec intention de faire le deuxième le lendemain, bah finalement il n'y a rien de grave, t'as qu'à reprendre le deuxième, tu le fais finalement tout de suite, et tu pourras permettre ton pain à être consommé, parce que deux éléments distincts, la pensée sur l'un hein, n'influence pas sur l'autre. D'accord ? C'est le principe, j'espère que ça a été assez clair. J'espère que ça a été assez clair, je parle vite un peu, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, ça.